Le plus grand mérite, selon moi, c'est qu'on a pu que vivre pendant ces 15 ans, on a pu envoyer les enfants à l'école, surtout les filles. Je trouve que c'est vraiment inacceptable que dans un pays comme le Burkina et le Mali, il y a tellement d'enfants qui ne partent plus pas à l'école. Et ça, c'est impossible. On ne peut pas accepter ça. Et avec beaucoup de personnes ici au Burkina, on a pu envoyer beaucoup d'enfants à l'école. Pachez-moi de la vache, allez voilà, j'attends et bien au chou, je cache dans le chou. Je suis né dans un quartier très pauvre et grâce à ma connaissance avec Franca, j'ai eu la chance d'aller en Hollande. Et quand j'ai été en Hollande, dès mon retour, j'ai commencé un petit commerce entre la Hollande et le Burkina. Alors les mamans, les papas de mon quartier qui m'ont vu faire ce commerce, qui n'ont pas de moyens d'envoyer les enfants à l'école, ils m'ont demandé si je peux être utile pour que les enfants passent à l'école. Donc j'ai pu scolariser 13 enfants. Et quand Franca elle a vu que les enfants partaient à l'école, elle a pris l'initiative de trouver des donateurs en Hollande qui vont financer ces enfants. Après mes études, j'aimerais être un cardiologue. Je suis en classe de 4e. Mon rêve, c'est de devenir un chirurgien. Mon rêve, c'est de devenir une docteur. Je voudrais devenir juge. Plus tard, je voulais faire la médecine. Mon rêve, c'est de devenir professeur d'allemand. En ce qui concerne mon parcours scolaire, j'aimerais être professeur de philosophie. J'aimerais plus tard faire la médecine. Plus tard, j'aimerais être médecin. Après mes études, j'aimerais devenir et faire la comptabilité. D'être ingénieur un jour et de pouvoir créer mon entreprise. Avant que on ne soit intégré dans l'association Vive Initiative, vraiment, nos parents n'avaient pas les moyens. Mon papa était malade en temps. Et après ça, il n'a pas pu travailler. Donc, nous, on était tous pénalisés. On n'avait pas l'argent pour aller à l'école. De temps en temps, on nous cherchait de la classe à cause de la scolarité. On n'avait pas l'argent pour manger à l'école. Et on passait toutes les journées comme ça. Presque toutes les journées, en tout cas, sans manger à l'école. Et c'est le soir, on revenait à la maison. Quand on a intégré Vivre, ce fut vraiment une chance pour nous de réussir jusqu'au point où nous sommes aujourd'hui. Que nous prenons les enfants à travers les établissements, avec les responsables des établissements qui trouvent que les enfants n'ont plus les moyens de subvenir au paiement de leur scolarité. Et de bouche en oreille dans le quartier, un peu partout. Donc nous faisons une petite enquête autour de l'enfant pour voir vraiment s'il est dans le besoin avant de procéder au parrainage. Thank you.
L'éducation au Mali est très très faible, surtout à Mopti. Beaucoup de gens n'ont pas eu la chance d'aller à l'école parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers d'accompagner les enfants à l'école. Et chaque jour, l'éducation devient de plus en plus difficile. On est en train de voir comment trouver la solution de donner une bonne éducation aux enfants. Si l'enfant a une éducation de base, le reste sera facile. Nous avons commencé à travailler avec Vive depuis 2004, avec 10 filles. Aujourd'hui, nous avons 60 filles. Nous avons aussi 16 filles non orientées qui ont dans les différentes écoles professionnelles. Je travaille avec les filles parce que j'ai l'amour avec des filles. J'aime bien les filles. Si tu as éduqué une fille, c'est comme tu as éduqué une maison, c'est comme tu as éduqué une nation. J'aime les filles, j'aime l'éducation des filles. Nous avons aussi construit une école à Dialangou. Tous les enfants étaient perdus. Les enfants ne savaient pas quoi faire. Et tous les villages aujourd'hui se sont trouvés pour qu'ils puissent faire quelque chose pour l'école. Parce que ça fait une action pour souder les villages, pour que les villages aient uni aujourd'hui et se sont donné la main pour le futur même de Dialangou. Sans l'école, il n'y a pas de développement. Aider une femme est très important. C'est le moment que j'ai eu à rencontrer la cousine à Mokhtar, mon mari, qui est une femme très démunie et qui a 8 petits enfants à nourrir. Elle ne s'en sortait pas. J'ai vu qu'elle faisait quelque chose, des bracelets que j'ai pu amener avec moi en Hollande. C'était devenu un succès impossible. J'ai eu à avoir beaucoup de l'argent que j'ai envoyé à elle et elle a eu à changer sa vie complètement. Elle a pu construire sa maison au fur et à mesure. Ses enfants, ils sont tous partis à l'école. Ils sont devenus des instituteurs, des infirmiers. Et avec cet petit argent que j'ai pu trouver pour elle, j'ai su que chaque femme qui a la volonté, avec une petite aide, elle peut faire grandes choses pour elle et toute sa famille. Donc, pourquoi pas aider beaucoup de femmes comme elle et continuer à leur rendre la vie un peu plus facile. Et vraiment, c'est quelque chose que je crois en ça.
Badini Abibou. Voilà. Je me nomme Tou Aminata Tigadir, une ancienne élève de VIF. Après les études, j'ai été à l'école supérieure UKAO. J'ai fait la gestion en économie des entreprises. Après ceci, j'ai été sollicitée pour travailler avec VIF au sein de leur projet. Et pour cela, je suis devenue leur animatrice au niveau de Cordeni, où je gère les microcrédits. I live with my mom and dad in the village. My dad was died 7 years ago and left my mom. And my mom have 6 children and don't have any money to help me to go to school. I talked to Miss Charity all my problems and said, okay, I'll help you, don't worry. If you need anything you want, I'll help you. So sometimes when I come to school, I eat my breakfast here, lunch. Sometimes I wait to eat dinner before I go back and sleep. Sometimes I stay here because I don't have lights to learn. And when I go home, because my parents said, go here, a lot of things. I cannot get time to learn. And when I'm here, I have a free time, free period to learn whatever I want, to study hard. When I finish university, I want to be a doctor. Yeah, because I really like that job. I want to help some people. I want to help people. Mon rêve, c'est de voir VIF s'agrandir plus, beaucoup plus, avoir le plus de moyens pour parrainer davantage d'enfants et que ces enfants réussissent dans la vie. C'est ça mon rêve, le plus grand, mon plus grand souhait, c'est que tous ces enfants-là réussissent. Voilà. Nous connaissons nos activités très bien. J'aimerais qu'on se produise des différentes activités jusqu'à présent. Et nos futurs soient une future réalité. Et que le VIF amène beaucoup de projets pour que le futur, on aille très très bien avancer le travail. Vive l'initiative, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions.